Bonjour à tous, je vous présente mon dernier petit accessoire relatif au monde du modélisme et qui sert donc à ranger et à classer ses pneus. Quand on fait de la compétition en modélisme, on peut se retrouver avec une quantité de pneus assez conséquente et c'est intéressant de pouvoir les classer et les ranger à l'aide de ce petit accessoire. Donc il suffit tout simplement de glisser la roue. Comme ceci, voilà, les pneus sont rangés, solidaires les uns des autres, et selon le code couleur que vous aurez choisi pour l'impression de votre objet, vous pouvez le faire correspondre à une dureté de pneus, et qui permet un choix très rapide de votre train de pneus adapté à la course du jour. Pour récupérer vos pneus, il vous suffit juste d'appuyer là-dessus, donc comme ceci, et les pneus reviennent. Vous pouvez les reprendre un par un. Alors cet objet, je l'ai conçu de manière à ce qu'il s'imprime sans support. Donc j'ai directement intégré les supports au design de l'objet. Il s'imprime vraiment très rapidement, donc que ce soit du PLA, de l'ABS, ça fonctionne très bien. Si vous êtes intéressé par d'autres tailles de pneus, parce que moi je l'ai fait pour un pneu 1/8 buggy ici, ben, ça peut se faire aussi pour, ça peut se décliner pour toutes les tailles, hein, donc ben, éventuellement vous pouvez me demander, je pourrais essayer de le faire pour vous. Je profite aussi de cette vidéo pour mettre en ligne cette jante, enfin ces jantes et ces pneus, parce que j'ai eu pas mal de demandes. Donc voilà, juste pour vous rappeler que ce sont des jantes 1/10, adaptées pour le drift, et la jante s'emboîte tout simplement dans le pneu, qui est imprimé en ABS et qui permet de le changer très facilement une fois le pneu usé. Voilà, je vous remercie, bonne journée, et à bientôt.